Bonjour, je m'appelle Catherine Cormerie. Je suis probablement l'un des rares artisans éditeurs. Je suis à Paris, boulevard Saint-Michel. Dans ma cour est un jardin, puisque l'essentiel de mes productions parle de la nature, de l'architecture et du jardin. Je rêvais d'être grand couturier et à défaut, j'ai habillé les livres, comme on habille les femmes, c'est-à-dire avec sophistication et parfois élégance. Mon travail consiste à donner vie ou à faire renaître des ouvrages anciens, oubliés, inaccessibles, ou à créer des livres tels que moi j'aimerais les trouver. Aujourd'hui, un livre est hélas parfois un sous-produit et un livre, un vrai livre, c'est la synthèse de la beauté, de la connaissance, c'est l'essence même à mes yeux de la beauté. Tous les livres que j'ai réalisés portent un peu de ce que j'aime et ont la forme de ce que j'aime. L'exigence du matériau, de la forme, l'esthétisme et surtout une référence, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous apprennent quelque chose. On ne peut pas faire une maison d'édition comme celle-là sans passion, sans être soulevé par un projet. Le dynamisme, c'est toujours essayer d'aller vers des marchés nouveaux. Aujourd'hui, les nouvelles techniques de numérisation permettent de capturer l'image dans des conditions bien plus extraordinaires qu'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on a redécouvert les papiers chiffons, les papiers à base de chanvre. On est très créatif dans la production de papier. Et surtout, on a des techniques d'impression. Il y a eu quelques imprimeurs qui ont beaucoup œuvré pour utiliser toutes les nouvelles techniques d'impression. Un éditeur fait un livre, il dit voilà, j'ai 15 euros, et qu'est-ce que vous pouvez me faire avec ça? Et moi je dis voilà ce que je veux, combien ça coûte? L'orientation est tout à fait différente. C'est la quête aux matériaux qu'on peut utiliser et c'est aussi le contact avec le client, l'émotion qu'il ressent, l'impression qu'il est soulevé en voyant que ça existe encore, que c'est pas fini. Et donc, j'ai formé quelques jeunes femmes qui sont ensuite parties de faire de l'édition. Il y a tout à faire. C'est un métier avec des ressources sans fin. Mais aujourd'hui, il faudrait que, pour ceux qui se lanceraient dans ce métier, qu'ils aient l'espoir et la foi chevillée au cœur. Peut-être un jour, il y en a une qui prendra ma relève et puis encore d'autres à former. Mais je trouve que c'est une mission de transmettre ça et de transmettre l'exigence et le goût du beau. Former quelqu'un, c'est une responsabilité.